quand je vois le cinéma français aujourd'hui, il n'y a aucune représentation de la société telle qu'elle est aujourd'hui dans le cinéma français. On a cette impression que c'est un cinéma de l'entre-soi où une partie de la population ne se reconnaît pas. Voilà, c'est la première motivation qui m'a poussé à faire ce documentaire, ce film sur le monde racisé du cinéma français. La première chose, pourquoi dans ce cinéma, les rôles qui sont confiés aux acteurs issus de la diversité, acteurs et actrices issus de la diversité, et particulièrement les Noirs, sont-ils des rôles souvent prédéterminés? Pourquoi ces rôles connotés racialement sont donc confiés à ces acteurs? Je suis allé chercher les causes de cela, les causes historiques. Comment on a construit dans l'imaginaire collectif la représentation du noir dans la société française. Donc, j'interroge des historiens, j'interroge des sociologues, j'interroge les acteurs et actrices eux-mêmes sur cette représentation minorée de ces acteurs dans des rôles qu'on leur confie dans le cinéma français.